jour, on va voir les petits, on va voir et faire des petits cœurs. Voilà, des petits cœurs très très rapides. Ça demande juste 2-3 minutes. Et les dimensions du cœur dépendent de votre fil. Si vous avez un fil épais, bien sûr, votre cœur va être plus grand, la taille sera plus grande. Un fil fin, le cœur sera petit. Voilà. On peut réunir ces cœurs. Vous pouvez les unir comme ça, en sous verre ou sous tasse. Comme ça. Comment on fait? Donc, on commence par faire un nœud magique. Et on fait deux mailles chaînettes. Deux mailles chaînettes. Ensuite, on fait, vous tournez le fil deux fois, on va faire des doubles brides. On va faire trois doubles brides. Une. La deuxième double bride. Troisième. Ensuite, on va faire trois brides. Première bride. Deuxième. Et troisième bride. On fait une maille chaînette. Je fais une maille chaînette. Une double bride. Une maille chaînette. Ensuite, je vais faire ce qu'on avait fait. On a fini la moitié du cœur, on va faire l'autre moitié. Donc, je commence par faire trois brides. Ensuite, je fais trois doubles brides. Je fais deux mailles chaînettes et dans le cercle magique. Dans le cercle magique, je fais une maille coulée et une maille chaînette et je coupe le fil. On serre, vous serrez votre cercle magique et voilà votre petit cœur. Il nous reste à faire entrer ces fils-là et on va obtenir un petit cœur. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez notifié pour chaque fois que je mets une vidéo sur YouTube. Et un like si vous l'avez aimé. Merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.